il reste toujours un exemple pour les Maurice et pour le monde. Parce que c'est la place arc-en-ciel, c'est l'endroit que nous avons différentes religions qui cohabitent ensemble. Et nous bien heureux, nous, comme camarade ministre, district council, et pour moi le président, il dit, tout bas, tout le monde qui nous contribue, qui nous collabore, nous bien heureux, qui nous dit, nous gagne, pour moi, on appelle ça une renaissance, avec la grotte, avec un environnement vraiment qui est bien amélioré. Et pas fini, nous pouvons continuer de nous coudre aussi, car on sait que nous connaissons comment nous capables de faire un portail aussi, pour qu'il donc voilà, bien sûr, il reste bien préservé, mon visage. En tout cas, nous sommes capables de dire, ben, du coup, il a la prière, je à vivre plus bien, à vivre et respecter les autres, les voisins, les habitants de l'endroit. Et c'est la prière qui vous capable plus content aux familles et vous capable bien plus en aide à vous-même et à les autres. Maurice, il y a un exemple d'une cité où est une population multiracial, multiculturel, qui vivent dans la paix et dans l'harmonie. Seulement, ça, la paix et ça, l'harmonie-là, nous allons continuer, il faut dire la flamme, ça. Nous allons continuer de nourrir, nous allons continuer de faire gagner. Au contraire, nous allons aller plus pour être capable d'éclairer nous en complice, pour être capable de montrer nous le chemin et le chemin de l'avenir.